Ou qu'on a dormi, ou rêvé, ou a volé dans le ciel. Cependant, les jours clairs, ou saisi, ouais, c'est dans la cabane la caillou où t'es couché. La République dominicaine annonçait ce matin ça, Libral construit un mur qui pour séparer lui-même ensemble avec Haïti. Dans l'émission Plus Vérité aujourd'hui, nous pral garder qui mouvement réellement qui gagne sous frontière et nous pral découvrir qui véritable, qui vrai intérêt y a besoin caché derrière domi ça. Restez ensemble avec nous dans l'émission Plus Vérité. Merci. Nous voulons remercier, avant de commencer l'émission, hein, nous voulons remercier vous-même particulièrement qui toujours encouragez nous depuis l'émission a commencé ou toujours voyez un petit message pour nous, soit positif, soit négatif, qui toujours fait des remarques, qui a aidé nous présenter une meilleure émission, l'émission Plus Vérité. Je vous dis merci. Ou même qui peut vous abonner avec l'émission, hein, pas perdre du temps, faites ça qu'on y a même. Caractéristique émission Plus Vérité, c'est éducation, c'est information, c'est bonne information. Avant de commencer l'émission, hein, soit faire question frontière semaine ça, il y a un grand sujet qui a dominé l'actualité internationale là, et c'est un sujet dont tu as parlé de li en pile, c'est un sujet là aussi, ensemble avec l'Ukraine, c'est combat géopolitique là. Côté il y a un pile d'amis qui a posé nos questions, qui a demandé est-ce que nous à la veille une troisième guerre mondiale, amis qui très préoccupés. Eh bien, nous voulons dire aux amis nous, restez tête frette. Nous véritablement loin une troisième guerre mondiale. Pourquoi gain condition qui réunit du tout pour nous t'avoir dit que nous la veille une troisième guerre mondiale. Ça qui a passé là, soit suivre mission Plus Vérité ou bien comprendre ni. C'est un combat géopolitique, c'est technique, c'est tactique, monsieur yo a développé pour yo voir qui gens yo capable finir ensemble avec question la superbe grande puissance américaine. Mais question a fait troisième guerre mondiale pas gen bagaille comme ça du tout même. Là aussi te mettre prend Ukraine dans quatre coins, m'bon garanti ni OTAN ni les États-Unis yo pas tiré yon cartouche pour Ukraine. Par contre, pas gen question troisième guerre mondiale. Et Vladimir Poutine, là aussi, même si yo sou, même si yo fou, yo connaît question la France, pays tant que Allemagne, pays qui gagne des armes nucléaires, yo connaît yo pa ka tire yon cartouche sou yo. Et pays sa yo tout, yo connaît avec la Russie, yo pa capable tirer des armes nucléaires sou la Russie parce que monsieur sa yo, c'est technique chat avec rat, chat connaît, rat connaît, barik maïa. La vérité là. Souci léa qui sa gagne. La République dominicaine annonce semaine sa libéral construit yon mi qui pour séparer lui-même ensemble avec Haïti. M'en drablo. Frontière entre Haïti et la République dominicaine nan li mesure au total 380 km. Mais faut que moi 380 km ça yo tout c'est pas terre ferme lié yon parti là-dedans c'est sous la mer lié. République dominicaine annoncé li pral construit li même yon mur qui a mesuré 223 km. Et mur ça yo pral construire déjà annoncé ça gagne 23 km là-dedans. Qui déjà construit déjà. Pour yon capable de construire 223 km mur ça, pour yon capable de séparer yon ensemble avec Haïti, yon gagne yon budget total qui c'est $35,715,000. Et compagnie qui pral construire Musa, c'est une compagnie américaine et compagnie qui prend responsable pour la partie technologique là parce que yo dit c'est une intelligent parce que yo prend installer caméra sous lui. C'est une compagnie israélienne.
tout ça me saute du layo, c'est information qui me saute bas au mur là. Qu'on y a en ouais regarder qui véritable mouvement qui gagne sur frontière, on a analysé pour nous capable bien comprendre. Et c'est ça qui caractéristique émission plus vérité. Faut qu'on comprenne en République dominicaine, gagne deux courants idéologiques sur ça qui gagne pour ensemble avec frontière. Gen yon courant idéologique lui-même, li dit que sous frontière, ça, République dominicaine doit faire, c'est l'État dominicain doit encourager investisseurs dominicains pour yon vin construire entreprise sous frontière pour capable bay haïtien yon travail, pour yon capable rete sous frontière, pour yon pas nuit yon dans grande ville yon pi devant. Et, c'est dans cas ça où monsieur te mette sous pied question projet plan binational Kiskeya et faut que moi dire que yon secteur économique sous plan international qui toujours appuyé initiative ça yo c'est Union européenne pays européen yo principalement qui gagne la France à la tête yo parce que si vous regardez bien pays ça yo tout projet y a financé sous ILEA li toujours gen tendance lié deux pays yo. Soit regarder majorité institution communauté européenne yo, yo installé en République dominicaine et puis yo fait va et vient sous ILEA tant qu'on est capable de presque c'est son seul pays yo. Et ça qu'faut voir tout plus gros projet yo financé en Haïti, c'est projet qui gen lien entre deux pays yo qui presque m'est capable de y a essayé connecter deux pays yo. Yo nan dernier plus gros projet yo te financé en Haïti. Ces projets qui étaient connectés, capital pays d'Haïti à Port-au-Prince, en passant par route nationale numéro 3, Inch, pour yoter atterri jusqu'à route nationale numéro 6, là, qui a fini juste sous Wanamet. Ça veut dire, yoter financé construction route sorti Port-au-Prince, Inch Cap-Haïtien, Wanamet. C'est comme ça pour yoter capable de communiquer beaucoup plus bien, yoter capable de jouer des pays. Yo. Et là, on regarde sur toute ligne frontière là, on regarde qui c'est en haut dans nord-est pays là, question à faire marché binational, yo construit tous les débords frontières yo, là descend puis bas bas zone Belader, presque c'est même phénomène qui yo reproduit, là descend puis bas et mal passe, yo pas de gain en construire mais c'est même vision que yo gagne et puis yo te gagne yon l'autre réplique yo te gagne pour yo te faire bon zone pédernale. Ça veut dire vision pa yo, c'est on te capable de connecter des pays yo sans compter yon méga projet yon gen pour yon te construit yon boulevard qui sorti depuis 4 haïtiens kal fini dans une grande ville qui gen en République dominicaine qui est le Monte Cristi pour yon te connecté un boulevard au bord de la mer pour yon te connecté des villes. Ça vle di pour Union européenne vision yon solution pays d'Haïti li passe par connecter ensemble avec la République dominicaine et surtout yon pays tankou la France qui gen des redevances historiques qui gen des redevances économiques et qui gagne des redevances morales envers Haïti, li toujours à considérer genre des initiatives ça yo parce que yo wè nan fait Haïti connecté ensemble avec la République dominicaine yon alternative pour yo capable décharger yo. C'est ça qu'il faut wè, yo toujours marcher des deux groupes entrepreneurs dominicains ça yo qui croient que solution frontière là c'est investir, créer entreprise sous frontière là, bay haïtien au travail sous frontière là. Pour yon pal nou yon en République Dominicaine. Mais, yon deuxième groupe li même, li pa wè bagay la kon sa. Yon deuxième groupe li même li di, haïtien ki ap entré en République Dominicaine yo, haïtien yo se yon évasion pacifique. Haïtien yo besoin vin envahi yo pacifiquement, haïtien yo besoin vin réoccupé yo, mais ceci yap fèl lentement, yap vini sous forme que se travail yo vin chèche. Mais en réalité, c'est cabane yo y a préparé pour yo capable réoccuper yo encore. C'est ça que fait yo même, yo pas nan pour se recoller ensemble avec haïtien, yo pas nan tintenade, yo pas d'accord pour haïtien nan question acheter terre, acheter caille, yo même c'est chaque monde rete la caillou parce que yo dit ensemble avec haïtien, depuis yo quitté haïtien, yo continue à entrer comme ça, haïtien yo pral peuple en bon titan qui pas trop long, haïtien yo pral vin plus passer yo. Et haïtien yo pral même gen capacité pour mettre yo et m'te capable de pour occuper yo bien pour mettre yo dehors. Yo di question ou haïtien kap antre ya, c'est bon question économique li est vrai, mais son invasion pacifique haïtien a fait la caillou,
C'est ça qui fait eux-mêmes, ils disent, pas dans bagaille comme ça, c'est mettre haïtien dehors. Ça, c'est deuxième groupe, on est capable de dire, c'est deuxième ligne idéologique qui a traversé en République dominicaine sous question, on est capable de dire, frontière, sous traitement, yo ta doué bay frontière. Qui intérêt réellement qui ont besoin de cacher des dos, mieux ça qu'à construire sous frontière. Mieux ça qu'à construire sous frontière là, faut que nous gagnions une réponse qui besoin bay. Et réponse qui besoin bay là, c'est pas à Haïti directement, on est capable de dire réponse là, les besoin bay. Ou gagnons les États-Unis d'Amérique, les mêmes qui gagnent contrôle ni Haïti, ni République Dominicaine, li totalement opposé vision pâle, li pas marché dans le même contact ensemble avec pays européens yo, surtout la France sous traitement yo de bay frontière. États-Unis li même li clair, li gen contrôle ni Haïti ni République Dominicaine, mais li même li clair des traitements qu'il besoin bay frontière. États-Unis connaît que Haïti ensemble avec République Dominicaine des pays sa yo pas jamais on te capable dire mouton bourik AD. Les États-Unis connaît c'est deux peuples différents et ils toujours bayo historiquement des traitements différents. À République Dominicaine, l'argent c'est là n'a pas investi. Haïti n'a pas manipulé, n'a toujours kembe sous contrôle, mais l'argent nous pas investi l'Haïti. Nous pas investi l'Haïti pour la simple et bonne raison parce que moun sa yo son peuple révolutionnaire yoyé, moun sa yo yo toujours n'était capable de en rébellion ou pas ka contrôler yo, yo pas docile ou pas ka contrôler yo. Par contre, nous pas investir l'argent nous la caillou. L'argent nous pas investir l'autre bord frontière, yo même n'a prend si nous besoin main d'œuvre là dans main yo, n'a prend les nous besoin pour nous faire le travail dans secteur agricole, les nous besoin pour nous faire le travail dans secteur industrie sucrière là. Les nous besoin main d'œuvre là, ça nous besoin la caillou a, n'a prend yo. Ça nous besoin les nous besoin consommer produit yo, n'a prend n'a quitter yo là pour consommer produit nous. Mais yo même nous pas investir l'argent la caillou. Ces traitements ça historiquement États-Unis toujours bail tout des pays dans Zéléa. Les présidents actuels là fin rivé sous pouvoir qui s'ayon allié sur les États-Unis lui-même li nan premier cheval de bataille li té bail tête li c'est construire un mur sous frontière pour capable séparer Haïti ensemble avec la République Dominicaine. Et faut que moi dire li té joine un applaudissement, un gros applaudissement nan men les États-Unis parce que les États-Unis pas gagné aucun problème du tout parce que li wè mieux ça c'est un message clair li capable profiter pour le capable voyer bay communauté européenne nan pays tant que la France surtout qui chaud qui toujours besoin construire yon on te capable dire qui toujours besoin construire yon lien entre deux pays yo qui même oser parce que gon courant philosophique qui dit que yo besoin faire deux pays yo faire yon seul avec question mi ça yo besoin voyer yon message drastique pour dire tout le monde qui rêvait, qui pensait, dans un moment déterminé, il est capable de faire pays ça ou faire un seul, livre et dire, pas de bagaille comme ça. Yes! Parce que la philosophie américaine dans l'éclair, pas de question, Haïti ensemble avec la République Dominicaine, il est capable de faire un seul, ou bien il est capable de créer des projets binationaux, pas de bagaille comme ça, parce que l'Américain lui-même, c'est lui qui contrôle tous les pays sous Iléa. Et bien comprendre, li connaît que qui philosophie, qui traitement, li doit bay chaque. Nous dit tout ça, c'est pour nous capables de bien comprendre. Si c'est question immigration qui t'a résoudre, la République Dominicaine connaît pertinemment qui gens pour t'a résoudre question immigration. Si c'est question monter mur pour barrer moun, premier côté pour yo t'al barrer, yo t'ai doué al barrer investisseurs agricoles yo surtout. Moun kap travaille dans la construction, moun kap attire main d'œuvre haïtien en République Dominicaine, c'est premier côté pour yon taval attaquer. Si yon taval attaquer groupe ça, nous ta dit bon, réellement gen volonté pour yon freiner question haïtien qui pral aller en République Dominicaine. Mais c'est pas ça qui fait. Ça qui fait, c'est que c'est yon mur qui a monté sous frontière, qui rey en termes pratiques, qui pas pral gen aucune capacité vraiment pour le capable diminuer quantité immigrant yon. C'est vrai, il est capable de bailler et un certain contrôle, mais, tant que Jean-Guillaume Magistrat qui dit en République Dominicaine, véritable mur pour yon ta monter, c'est pour yon ta monter yon mur contre corruption qui gagne sous frontière, côté un mur contre la misère,
yon mur contre et corruption, contre entrepreneur en République dominicaine, qui secteur économique en République dominicaine, qui vivent essentiellement des main-d'œuvre bon marché haïtien. C'est véritable mur ça pour t'aller monter, pour t'aller prendre sanction contre eux. Mais autant de fois, c'est sous frontière, il y a monté mur, pendant cet circuit de corruption toujours là, c'est lavé mais si il est à terre, ça n'est pas prêt à le mener en quel côté. Ça vraiment triste pour Haïti, lui-même, malgré nous, il y a une attitude aussi, on est capable de dire, humiliant pour un pays que Haïti subit, dans le sens ça, autorité haïtienne, yo, pas même en mesure pour être capable de faire une réplique, et malgré sa fête, malgré yo dit ouvertement, yo pral monte mieux pour yo capable de séparer la République dominicaine ensemble avec Haïti, parce que Haïti a vint tourner un territoire presque invivable. Malgré ça, autorité haïtienne, yo, pour majorité haïtienne, ce n'est rien. Ça veut dire, ça qui relè orgueil, car haïtien, nous capables de dire, à cause des misères, à cause de, nous te capables de mauvais et traitement, à cause de ignorance population, yo vraiment nous capables de dire ça est presque inexistant. Et autorité qui soit disant là yo, c'est comme si c'était rien été, pas gain aucune réplique qui bail, pas gain aucune réponse, c'est comme si nous accepter toute humiliation avec deux bras ouverts. C'est triste mais c'est réalité pays d'Haïti. Tout jeu politique y a fait autour de nous-mêmes, mais malheureusement, nous pas gagné personne pour vous dire en rien. Mille merci parce que vous êtes ensemble avec nous dans l'émission Plusurité aujourd'hui. À la prochaine pour nous venir présenter dans l'autre émission Plusurité.